Les cours reprendront lundi dans une ambiance peu commune. Âgée de 11 ans, une élève de CM2 est décédée, vendredi, après avoir fait un malaise cardiaque dans l'enceinte de l'école Robert Desnos. À Saint-Denis-Lanneray, où elle était scolarisée, rapporte l'Écho Républicain. Malgré l'intervention rapide des secours, qui ont tenté de la réanimer à l'école, la fillette est décédée à l'hôpital, où elle avait été transportée. Les autres élèves n'ont pas assisté au malaise ni à l'intervention des secours, note le journal local. Ils ont toutefois été tous réunis dans le gymnase de l'école et les parents ont été contactés pour venir les chercher. Cet événement exceptionnel et douloureux a bouleversé la famille, le corps enseignant et les élèves, a témoigné auprès de l'Écho Républicain Evelyne Meige, directrice académique des services de l'Éducation nationale d'Eure-et-Loire. Une cellule psychologique, à destination des enseignants et des élèves, a été mise en place rapidement après les événements. Une enquête de gendarmerie a aussi été ouverte afin de trouver les circonstances de la mort.